بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 1184 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيه رحم الله رجلا كي الله في رحم لو انجمون لو ان مشي لا نتوبي رسول صلى الله عليه وسلم في دعاء بو انجمون لي في دعاء رحمت بو انجمون كي الله في سو رحمت لو انجمون الو كي ساجمون لا سا رجلا ان مشي ici les naissances مشي même hein, au masculin قام من الليل فصلى Il fait une levée dans la nuit, il fait une namaz, tahajjud. Wa ayqadha imra'atahu. Et il fait une levée sur madame aussi, pour faire namaz. Un monsieur qui fait une levée pour faire namaz, il fait une levée sur madame aussi. Fa in abat. À ce moment-là, si madame l'a refusé. Aba, ici, au féminin, abat veut dire refusé. Ben, nous, l'ama explique nous qu'il est possible qu'il s'allait là, et ça, c'est une affaire qui est l'expérience presque quotidienne, ça, pour beaucoup de monde. Sommeil là, faux. Pas facile pour lever. Donc, madame n'a pas pu qu'à lever. Alors, qu'il fait Nadaha fi wajhiha alma. Li zedelo le sofigiamo. Bon, zedelo, pardon, il n'a pas servi sa mozette. Là, ici, il servit le mot Nadaha. Arabe, il précise ça. Alors, un cas zete, qui c'est ce qu'il nous dit en anglais sprinkle. Sprinkle veut dire, je prends de l'eau dans mon lame mouillée. De là, je, comment dire, ça couille le figuier, disons là. Mon fan de l'eau, le sophigier comme ça. Ça veut dire que c'est une goutte qui peut faire l'eau. Il n'est pas implique pour un broc de l'eau, vide l'eau, tout ça, là, ça, non. Ben, ça fait qui dérangeant comme ça, non. C'est tout simplement une action qui fait pour casse sommeil un démon. Alors là, nous trouvons qui, donc, son note peut montrer nous, qui, quand nous sprinkle de l'eau, le figuier un démon, ça, il casse le sommeil. Donc, il aide ça, démon là, pour l'élever. Parce qu'il y a une fois, quand le sommeil trappé, tellement peut-être du monde est fatigué, ce lit, j'aime pas les ouvert. Donc, ça, c'est un moyen pour faire le sommeil aller. Alors, si madame là refusait, il ne pas l'élever, alors, du monde là, il fait de l'eau, le sophigir. Monsieur là, il fait de l'eau, le sophigir. Et, hadith continue, donc, l'autre, la moitié hadith. Rahim Allahu imra'atan. Rahim Allahu imra'atan. Qui Allah fait rahmat, qui Allah fait son rahmat, l'eau, et madame. قامت من الليل فصلت il fait une levée dans la nuit pour faire namaz tahajjud il fait une namaz tahajjud وايقظت زوجها elle il fait une levée son monsieur pour faire namaz tahajjud il fait une levée son monsieur pour faire namaz tahajjud فان ابى donc lui aussi pareil monsieur là s'il est refusé ou soit s'il n'est pas capable de lever ou soit pas capable de lever sommeil là fin trappli alors نضحت في وجهه الماء les sprinkles, les fans de l'eau, le sophigia. Donc là, il y a beaucoup de leçons à apprendre dans ça. Première affaire, définitivement, c'est l'importance, grandeur, ça, quelque chose qui s'appelle Qiyamul Layl. Donc, les demandent plus grand action de bien, qui est un monde capable de faire, les lever la nuit, les faire namaz, comme on nous fait trouver dans un hadith encore avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc faire éloge, ça va un monde là dans le Coran. Donc, ça, premier. Après, nous trouvons une affaire extrêmement importante qui appelle At-Ta'awun. Ça veut dire l'entraide dans le bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Et aide votre camarade, en aide l'autre là, entraider pour faire le bien al-birri. Al-birri, comme on nous connaît, c'est le bien, traduit tout simplement par le bien. Et à taqwa, dans mon action taqwa, entraider, aide ou camarade. Alors, ce qui est plus proche avec vous, là, c'est au madame. Pour madame, là, ce qui est plus proche avec qui, c'est pour ce monsieur. Il faut nous concentrer bon, avec Dimon en déo, mais n'oubliez pas qui est devant nous. Alors, ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Entraider dans le bien et dans taqwa. Donc, quand nous pouvons entraider dans tahajjud, c'est une grande affaire, extraordinaire. Voilà, ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Et n'a pas entraider l'eau al-ithm, l'eau le péché, et al-udwan, l'ennemité. Finalement, si nous assisons, nous faisons compte,
Beaucoup de fois, nous tombons dans des âmes-là, nous entraider pour faire pécher, pour entretenir l'ennemité. Combien de fois, ou trop, monsieur, madame, ensemble, si je peux faire un mauvais travail, si je peux faire ribat, ou soit monsieur Lane, il y a une bonne mauvaise habitude à cause de madame Lane amène ça. Ou soit madame Lane, il y a une bonne mauvaise habitude parce que monsieur Lane amène ça. Vous connaissez des différents backgrounds, quand une moyenne vit ensemble, là, elle là prend une mauvaise habitude avec l'autre là. Alors, ils font partie dans l'islah, dans Mujahada, chacun d'entre nous, individuellement et en tant qu'une structure, qu'il soit une famille ou soit un couple. Si je analyse tout ça là, attention, comment dire, avec honnêteté et avec humilité, chacun parmi ça de là, il peut bien dire, mais qu'est-ce là-bas, ça, monsieur là, avec qui mon marié, ou soit sa madame là, avec qui mon marié, et n'a pas une bonne qualité qui lui fait hériter, c'est pas des spéciaux familles, c'est pas lui fait n'a dans lui-même. Laisse-moi gagner un petit gain là-dedans. Ou soit, il y a une bonne qualité qui, moi, mon apprend un petit gain, ou soit mon hérité depuis ma famille, ou soit mon gain de l'habitude. Laisse-moi porter ça avec lui. Parce que vous connaissez, Shaitan, vous venez faire ce travail. Lui. Quand il n'a pas saisi pour être série ensemble, il n'a pas saisi pour être film ensemble, ou soit pour faire une action qui n'est pas correcte ensemble. Là, vous trouvez monsieur, madame ensemble, moi, il est piqué. Mais c'est moi, quand il n'a pour faire bon travail, là, chacun a son côté. Combien de fois vous trouvez? Et ça, c'est un drame. Monsieur, cinq fois namaz dit dans masjid, mais il oublie sur madame la case, il oublie sur les enfants la case. Ben là, papa est levé, papa est fait namaz, il vient masjid, il vient faire fajr, mais la case, tout le monde peut dormir. Mais là, il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est le monde là qui existe pour lui. Il n'est pas supposé, moi, comme ça. Il est supposé avant de venir, il est assuré que son madame est levé, que ses enfants est levé. Son frère peut dormir là-bas, il est levé. Qui sont maman, papa, une levée. Donc ça, c'est une quelque chose d'important. Quand nous pouvons faire du bien à l'un, donne-nous du bien, nous pensons les autres. Qui manière nous capable de porter ça du bien là avec les autres? Qui manière nous capable d'entraider entre nous pour faire le bien? Et là, nous trouvons un autre élément encore. Quand un dimon lui a une difficulté pour faire le bien, nous aide-lui. C'est là que nous gagnons fan de l'olo figure. Un dimon peut avoir une difficulté pour faire le bien, nous aide-lui. Bon, nous bien souligner qu'il s'est fan de l'olo figure là, c'est pas comment dire, une punition qui peut donner, monsieur là peut donner madame là. Comment dire, il peut réprimander lui. Non. Nous comprenons là-dedans, qui, au préalable, finit un accord. Monsieur que madame est d'accord pour lever, pour faire fajr. Nous connaissons qui, quand madame là, pour lever monsieur là, ou sans monsieur là, pour lever madame là, pas pour une surprise. Mais qui n'arrivait pas à lever mon salaire là, 3h du matin, 4h du matin, qui n'arrivait? Nous pas pour une réaction comme ça. Parce que, supposé, il finit faire un tarbiyat. Un monsieur, par exemple, si ce madame, pas qu'on n'aille, pas qu'on prend n'aille dans prier à mon l'œil, un seul coup au milieu de la nuit, monsieur là, peut lever. Normal, madame là, pour étonner, supposé, il y a un travail qu'il fait avant. Un travail d'explication, un travail d'éducation, quand il est là, quand tous les deux, il comprend l'importance de prier à mon l'œil. Quand un peut lever l'autre là, peine à étonnement, au contraire. Ça, le talal, il trouve une opportunité. Seulement, il est tellement fatigué, ce sommeil, peut être appelé, mais là, le talal, et de lui, il dit, fais un petit guin de l'eau, ce figuier, pour faire ce sommeil-là. Comment nous connaît, comment Rasoul, sallam, dit dans le hadith, ad-dallu ala al-khayr, kafa'ilihi. C'est lui qui fait, un autre dimon fait un bon travail, comment dire, lui-même, il fait sa bon travail, là. Donc, ça dimon qui ne lève pour faire tahajjud, là, il gagne son sawab, mais en même temps, il lève les autres pour faire ça. Chaque action que les autres peuvent faire, ça dimon là, il pour gagner un sawab aussi. Prochain hadith 1185. Wa an Abi Sa'id radiyallahu anhu ma qala. Alors, rapporté toujours par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu et en même temps par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ma. Je dis, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, idha ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl. Quand un jimun, ici il mentionne rajul, veut dire monsieur, et nous comprenons qu'il est capable de dire monsieur, il est capable de dire madame. Ici, on a le mot ahlahu. Le mot ahl, comme on nous connaît, c'est un mot qui est capable de dire un djimoun. Il est capable de dire beaucoup d'djimoun. Il est capable d'aller jusqu'à dire des millions tout. Par exemple, si nous prenons ahl dans le sens madame, ça veut dire monsieur là sur madame. Ahlahu veut dire sur madame. Mais si nous prenons lui au sens bien plus large qu'il nous a, par exemple, Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Donc, combien de djimoun est là-dedans? Ahlullah, ben djimoun qui proche avec Allah. Donc, ici, là, dans ce contexte-là, ben savant, dit à nous, il est capable de dire, so madame,
ou soit les capables de dire sur famille. La plupart du temps, quand nous servons le mot ahl dans un contexte comme ça, c'est madame ou soit famille, famille proche. Ça veut dire man dix monde qui peut vivre sous un même toit. Donc monsieur pour les madame, madame pour les monsieur, ou soit ou un jeune qui peut encore marier, ben il y a son maman, son papa. L'élever pour faire tahajjud, il y a l'élever son maman, il y a l'élever son papa. Il y a son frère, son sœur, et il y a les autres du monde dans la case, l'élever les autres. Donc, un du monde qui fait ça dans la nuit, fasalla ya ou salla. Donc, là, il met dans dual, impliquant monsieur et madame, ou soit il met singulier, donc il y a, il y a des variations là-dedans. Donc, il fait un namaz tahajjud, raka'atayn, jami'an, je t'en fais des raka'at ensemble. Ça veut dire des raka'at minimum ici. Comme a dit Pédi à nous, ne serait-ce qu'il se tient fait 10 des rakat, alors qu'il arrivait, Kutiba fi al-Zakirina wa al-Zakirat. Allah pour écrire ce nom parmi ban Zakirin avec ban Zakirat. Zakirin, Zakirat qui veut dire, Zakir veut dire un dimon qui fait zikar beaucoup. Il sortit dans le mot Zakara, fait zikr. Zakir, c'est un dimon qui fait zikar beaucoup. Donc Zakirun, il vient Zakirin, c'est au pluriel. Et quand nous mettons au féminin, donc madame qui fait zikar beaucoup, il vient man zakirat. Alors, ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionne spécialement dans le Coran. Quand il mentionne beaucoup ban catégorie du monde qui fait le bien, parmi là-dedans, il dit wa zakirin Allah kathiran wa zakirat. Ou bien ça dans Surah Al-Ahzab. Et ban monsieur et ban madame qui fait Allah sur zikar beaucoup, qui arrive zot, a'addallahu. لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى فين prepare pour eux un maghfirat et un ajr azim et un grand 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 récompense. Donc sa récompense là c'est jannat avec encore beaucoup ban les autres quelque chose qui vient avec ça. Donc ça va dire mon là je pourrai Allah sur maghfirat et je pourrai Allah sur jannat et Allah سبحانه وتعالى pour mettre eux parmi ban zakirin avec ban zakirat. Si je t'en fais, je t'en entraîne un fin lève son camarade pour lever, pour faire namaz tahajjud à soi. Alors, il y a les autres riwayat encore, côté Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui, quand il y a ça, ça veut dire un pélève l'autre, monsieur pélève madame, madame pélève monsieur, je ne fais namaz ensemble. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les autres bons péchés. Donc là, nous trouvons les sons importants, c'est que quand nous gagnons une bonne habitude, nous pouvons gagner une bonne connaissance, nous pouvons mettre en pratique. Allah peut envie de bien pour nous. Nous peut comprendre. Rappelle bien tout le temps ce hadith-là. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. C'est lui qui Allah envie de bien pour lui. Il fait lui comprendre. Et un djimoun qui peut faire des efforts, peut lever pour faire tahajjud, ce djimoun-là, il comprend. Il comprend ce din, il comprend qui se rôle. Alors, il partage sa compréhension-là. Il fait les autres rentrer là-dedans. Il comprend quand il peut aller. Il comprend le succès qui était ça. Et il connaît le succès trouve là-dedans. Alors, il n'est pas capable, en tant qu'un chef de famille, en tant qu'un maman, un papa, il n'est pas capable de gagner le succès tout seul, d'oublier sa famille, d'oublier sa madame, d'oublier ses enfants. Alors, ça, il est supposé à l'ensemble. Et il y a une grande leçon là-dedans. Il y a une grande leçon là-dedans. Il est pour tahajjud, mais il peut aussi prendre les autres affaires encore. Nous pas redire, nous pas redire bien, juste pour nous. Mais il faut désormais n'oublier les gens qui proche avec nous, les gens qui dépendent de nous. Ben, du monde qui vivent ensemble avec nous. Nous besoin tout le temps d'une façon soit d'une autre partage. Ça, comment dire, nous trappons la main ensemble, nous mosquons ça c'est là. Et nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et nous faisons droit pour aussi. Donc nous faisons droit qu'Allah donne nous tawfiq. Nous lever, nous faire tahajjud et nous encourage nos familles aussi lever. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, les mette la corité, les mette l'entraide, les mette barakat dans ma relation familiale. Qu'il est dans une famille ou soit dans la société et qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, fait nous vivre parmi man zakirin, man zakirat qu'il fait mentionner dans le Coran et qu'il fait nous faire succès dans dunya, dans akhira wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.